Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec ce qui est drague. Hein, vraiment, c'est ma spécialité. Faux ! En soirée, on se fait tous un peu rire les uns les autres, tu vois. Mais moi, dès qu'il y a une fille qui me plaît vraiment, qui débarque, tout d'un coup, j'ai l'impression de ne plus du tout avoir d'humour. D'être le mec lourd, carrément pas marrant. C'est quoi la blague ? Non, en fait, je disais juste, peut-être la cigarette électronique, ça donnerait le cancer électronique. Le non-rire de la femme. Quand tu parles à une meuf sur Facebook, et que sur ses photos, elle est vraiment super belle, un peu type mannequin, moi perso, j'ai pas confiance. Et je me disais, le plus beau compliment qu'on puisse faire à une fille en 2014, finalement, c'est... Yes. Je ne suis pas une fille. C'est hyper frustrant quand t'essaies de draguer une meuf, tu vois que c'est plutôt bien parti, et qu'au fur et à mesure de la conversation, elle te fait comprendre qu'il n'y a pas moyen. Et qu'il n'y aura jamais moyen. Et sinon, c'est quoi toi ton type de mec? J'aime bien quand ils sont grands. Ah ouais? Intelligents, black et bien musclés. Ah ouais? Toi, c'est ça ton... Que ça? C'est marrant parce que moi, tu sais, à la base, je devais être noir. C'est vrai, mes parents ont pas voulu. Trop bête. Trop bête. Je sais que le zouk et le collet serré, c'est des danses pas mal pour séduire. Mais quand je vois certaines personnes danser là-dessus, je me dis que là, c'est plus de la séduction. Hein, c'est carrément des préliminaires. Conjus d'abricot. De noix de coco. Tout comme la... Il paraît que les femmes aiment les hommes attentionnés et galants. Hein, ça, c'est normal. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que parfois, j'entends certaines filles dire « Franchement, pour moi, le mec parfait, faudrait qu'il soit attentionné. » Ah, trop galant. Ah, mais un tout petit peu macho. J'aime trop... What? Comment un mec peut être à la fois galant et macho? T'es bien comme ça? Waouh. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire un peu de repassage, et après on enquille sur une bouffe. Trop sexy. Il y a un truc que je trouve vraiment injuste dans la vie. Pourquoi quand on est en couple, on attire beaucoup plus les meufs que quand on est célibataire? Alors que normalement, ça devrait être... mieux dans l'autre sens. T'as une copine alors? Ouais, j'ai une copine, ouais. Ah donc t'es en couple? Bah ouais, c'est ça, je suis en couple. Mais donc t'es pas dispo? Non, je suis... Attends. Ah non, mais... En fait, on a cassé hier. En fait, je suis célibataire. J'avais oublié. Ah, t'es célibataire? Je suis célibataire, ouais. Ah, le mec en chien, quoi. Ah, ah, un loser qui veut draguer des meufs. Non, mais... Je suis célibataire, justement, je suis... Il y a certaines filles qui sont maquées, et pour pas qu'on les drague, elles ont trouvé une technique assez subtile. Elles font référence à leurs copains 45 000 fois par minute. Et c'est assez agréable, surtout quand à la base, t'es pas du tout venu pour les draguer. En tout cas, t'es cool la soirée. Hein. Grave, mon mec il a kiffé aussi. Moi je fais ma crémaillère samedi soir, si tu veux venir, t'es la bienvenue. Ouais, bah carrément. Bah tiens, je viendrai avec mon mec, parce qu'il a une bagnole et tout, ça sera plus simple. Bah ouais, je t'enverrai sur Facebook l'adresse, sur ton profil. Ouais, ok. Bah tu verras ma photo de profil, c'est mon mec et moi, et mon statut c'est en couple. Ah bah ouais, j'aurais pas de mal à trouver du coup. J'aurais pas mal à trouver. Un grand classique, hein, la base. Tout le monde connaît ce genre de mec qui drague dans la rue de cette manière-là. Eh franchement, t'es trop jolie. Eh au calme, tout propre. Eh viens, s'il te plaît. Eh en fait, t'es trop moche. Eh t'es un gros huc. Je me demandais pourquoi ils faisaient ça, et en fait je me suis dit, peut-être ça se trouve, les mecs, c'est pas de leur faute. Ils ont juste des problèmes de vue, ils voient mal de près, puis en fait ils voient bien de loin après. Eh hey, t'es jolie. Eh hey, franchement t'es trop jolie. Eh hey. Hey, non en fait, t'es un gros huc. Eh hey, en fait t'es trop moche. J'ai pas bien vu. Eh hey, je vois pas bien. Le rêve de tous les mecs, c'est qu'une meuf vienne t'accoster dans la rue. Alors pourquoi? Des fois les meufs, quand elles nous accostent dans la rue, elles disent cette phrase nulle. Excuse-moi. Ouais. Je rassure, hein, je vais pas te draguer. Genre, ça nous rassure. Ah, t'es pas là pour me draguer? Ah, j'avoue, ça me rassure. T'imagines, tu serais venu pour me draguer, ça aurait été horrible. Ouais. T'as peut-être, on se serait pécho et tout. N'importe quoi. Je me fais tellement rarement draguer que des fois, quand il y a une fille qui vient clairement me draguer, j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Je te trouve vraiment... Ah, ah, très drôle. Super la vanne. Mais non, nickel. Je te jure, je te trouve trop sexy. Tu me fais craquer. Bon, c'est bon, c'est une caméra cachée. T'as fini? On peut arrêter? Bon, tu pousses la blague un petit peu loin, là. Ça va, on a compris, c'est marrant. On a bien rigolé. On peut passer à autre chose? Franchement, rien ne vaut la bonne vieille technique du texto. Vous choisissez une fille qui vous plaît dans votre répertoire. Là, vous lui envoyez un petit message.
Ah bah j'ai même pas eu le temps d'écrire en fait. C'est marrant, je t'imaginais pas comme ça. Comme quoi parfois les photos c'est parfois trompeur un peu. La magie d'Internet. La magie d'Internet. La dernière fois, j'ai demandé à une vieille dame de me prendre une photo avec un pote. Je vous jure, elle a fait comme ça. Allez les garçons, on se resserre, on fait un sourire. Allez, cheese. Je pense qu'elle est pas mal, hein. On verra au développement. Mais je pense, j'ai mon petit talent de photographe.